Bonjour, aujourd'hui dans la cuisine facile d'Isabelle, je vais faire des churros au fromage. Pour cela, pour deux personnes, il vous faudra 200 g de pommes de terre, auxquelles je vais rajouter 75 g d'œufs. Auxquelles je vais rajouter 100 g de farine. Mélanger tout ça. On va ensuite mettre la préparation dans une poche à douille. On va ensuite prendre des moules à muffins qu'on va mettre à l'envers. Voilà, et on va mettre ça 2 heures, voire 3 heures au congélateur. A tout de suite. Ah, donc ça fait 3 heures que mes moules sont au congélateur. Donc, je les enlève. Et je vais les mettre à la friteuse pendant 3-4 minutes. Voilà, mes petits paniers sont frits. On va maintenant confectionner nos churros au fromage. Donc j'ai découpé des petits morceaux de reblochon que je vais mettre au fond. J'en mets à peu près 3 morceaux par churros. Je vais mettre une cuillère à soupe de crème fraîche. Et je vais les mettre à four chaud 180 degrés pendant 15 minutes. A tout de suite.
Voilà, mes churros au fromage sont terminés. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt dans la cuisine facile d'Isabelle. Au revoir.